Salut les amis, bienvenue sur Free HD, la chaîne où on parle moto, Harley Davidson et plus particulièrement du Softail Standard puisque c'est ma moto. On se retrouve pour une nouvelle vidéo le 20 mars, c'est le printemps et je vais faire ma première sortie avec le chapter. On part sur Le Mans, visiter le musée des 24 heures. Comme c'est la première sortie et que c'est le printemps, et ben j'ai envie de vous faire partager le truc. Allez, c'est parti. La fine équipe. Ça va mon Greg? Bon, ça y est, c'est monté. Ça va, Tilly? Joli gilet. Ça va, frérot? Ouais. Et j'ai mis mes affaires de pluie. Par contre, ça, c'est pratique. Putain, c'est clair. Et ben voilà. Que de la belle moto. Et le prince, il est où là? Calme, il est même pas 9h30, le village est endormi. Et les toits sont jaunes, c'est de l'ardoise ici normalement, enfin la plupart des maisons, mais tous les toits sont jaunes parce qu'on a eu la tempête de sable, comme tout le monde. Alors là, les gars, on arrive sur le circuit du Mans. C'est ici que ça se passe. Ah.
Je regarde sous la jupe de la dame. C'est celle de Louis de Funès. Je ne sais pas. Peut-être. Déesse fusée. Direction de Mulsen, ça veut dire qu'on va emprunter le circuit. Et d'ailleurs, on voit la ligne droite en face là-bas, c'est le circuit. Voilà, la MMA Arena. Et là, ici, à droite, c'est l'arrivée sur la piste. Et on voit les glissières de sécurité. Alors là, c'est sécurite pour le coup. Si on glisse ici, on risque pas de se trancher la tête avec les barrières de sécurité, puisque là, il y a carrément trois glissières les unes sur les autres. Et là, normalement, les voitures filent, là, où on voit les panneaux bleus. Les voitures vont tout droit, et nous, on prend les ronds-points. Et là, on rattrape le circuit. Et la ligne droite. On est sur la ligne droite des Hunaudières, qu'on voit là-bas, jusqu'au bout, là-bas. Il y a quand même deux chicanes sur le long de la ligne droite. Parce que je crois que les voitures passaient largement les 350, 380. Ah, on va venir manger ici a priori. L'auberge des Hunaudières. On voit les protections avec les filins. Ouais, parce qu'en temps de course, vous imaginez que les gens là, qui habitent ici, ils ont les voitures qui passent à 10 mètres de leur entrée, quoi. Je pense que ça doit être assez impressionnant. Et je crois que les propriétaires ici, ils habitent pas là en fait, ils louent leur maison les jours de course. Ah, ça c'est une des deux chicanes qui est empruntée par les voitures de course. Et là ici c'est un bout de la ligne droite. C'est magnifique. C'est quand même un circuit mythique. C'est assez agréable de se dire on est dessus. On est sur le circuit.
et on va manger au ras du circuit. Donc faut imaginer que les voitures elles déboulent d'ici là 400 à l'heure. Ah, c'est dans l'autre sens, c'est de là vers là-bas. Allez, à la graille. A few moments later. Ah, je suis vert, ma caméra n'a pas déclenché quand j'ai appuyé sur le bouton. On a une Testarossa 84 qui est juste devant là. Je sais pas si vous la voyez. Ferrari Testarossa 84, c'est ma Ferrari préférée quand j'étais gamin. Elle est exceptionnelle cette voiture. Est-ce que vous vous souvenez du jeu qui s'appelait Outrun où on avait la chance de conduire une Testarossa 84? Ready? C'est de la grosse Ferrari, zéro assistance électronique. Ça, c'est de la Ferrari de puriste. C'est ça qui est bien quand on se balade au Mans, c'est qu'il y a toujours énormément de grosses bagnoles. On voit toujours des trucs qu'on voit qu'ici. Oh, la largeur de cette voiture! Non mais regardez-moi ça! Oh là 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 là! Oh, oh, oh. Oh les mecs! Voilà, une petite pause à la flèche. Première sortie de printemps 2022 qui s'achève avec le Touring Chapter France. On était 17 motos, une bande de copains. Ça fait toujours extrêmement plaisir de voyager avec eux. Et ça sonne le début de la saison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao !